les yeux étaient rivés sur cet homme, le chouchou du public de la Baie des Champs, Djibril Cissé, bien désireux de réussir, bien décidé à réussir sa dernière sortie. Regardez, tu resteras dans nos cœurs, Djibril. Autre parole, on t'aime, tu es le meilleur. Voici l'éloge du public de la Baie des Champs à ce héros qui ne va pas tarder à entrer en scène après seulement une minute de jeu. Regardez, une bonne récupération en milieu de terrain. Un ballon pour Kalou. Kalou qui peut réussir à donner à Djibril Cissé, qui se retourne et qui prend à contre-pied Mickaël Landreau. 1-0, une minute seulement. Et déjà la hargne, la rage du buteur auxerrois qui marque ici son 25e but de la saison en championnat. Il remercie le public. Encore une fois, une action rondement menée. C'est allé trop vite. Et la défense nantaise complètement malmenée qui ne peut rien faire. Mickaël Landreau n'a toujours pas touché le ballon et il doit déjà s'incliner. Auxerre mène 1-0 comme face à Ajaccio prématurément il y a de cela une semaine. Auxerre qui réduit ce score de 1-0. Nantes ne parvient pas à créer, à faire circuler le ballon et toujours d'excellentes récupérations. C'est un scénario connu à la Baie des Champs. On joue en contre et on le pratique à merveille. Le meilleur passeur du championnat, Yann Lachuer pour Djibril Cissé et la petite pichenette pour le deuxième but après seulement 11 minutes de jeu. 2-0, doublé de Djibril Cissé qui marque son 26e but de la saison. C'est le même total que le meilleur buteur du championnat la saison dernière, le monégasque Chabani Nanda. Cissé qui avouera même qu'il a marqué son plus beau but de la saison à la Baie des Champs grâce à cette pichenette devant Landreau. 2-0 donc pour la JOCR, bien parti pour accéder à la Coupe de l'UEFA. On sait que tout autre résultat qu'une victoire nantaise est bien méfait au Serrois avec Djibril Cissé qui est félicité. Regardez qui va sortir, qui va être remplacé à 20 minutes de la fin de ce match. Djibril Cissé applaudi bien sûr par le public de la Baie des Champs et qui va rester prostré sur le banc, qui ne regardera même pas les minutes de relève des Auxerrois. Et Djibril Cissé de la JOCR qui se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Je vous propose d'écouter Djibril Cissé juste pendant son tour d'honneur au micro de Philippe Lefebvre.